règles de la route. Salut les viewers, c'est le Mad Marcus. Et bienvenue dans la présentation de nouvel épisode de Mad Max, chers amis. Donc, comme vous pouvez le voir, Mad Max est en forme. Et donc, on va faire un truc que j'avais pas prévu. Plutôt que de faire de l'histoire, chers amis, aujourd'hui, on en fera donc demain, je pense. On va aller déjà visiter cette zone, faire le tour avec le poste d'observation, et aller chercher la dernière source de salpêtre. Je serais curieux de savoir ce que ça va donner à la fin, en fait. Hop les. Et on prend un raccourci. C'est par où? C'est à gauche, c'est à droite, c'est à droite. Et on y va. Nous y sommes. Enfin, nous sommes partis. Donc j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que cette série vous plaît, chers amis. Moi, je suis toujours en négociation avec GamesPlanet.com pour obtenir donc notre clé Fallout 4, tout simplement. Donc je suis curieux de voir si on va réussir à en faire quelque chose ou pas. J'ai confiance en eux, j'ai vu que certains avaient acheté donc Mad Max. Et je les en remercie, moi ça m'aide un petit peu et ça aide surtout, bah en fait, enfin, pour être tout à fait franc, j'ai eu une commission. J'ai eu une commission qui, si je me trompe pas, de 1,46€. Donc comme vous voyez, c'est pas énorme. Et c'est surtout, par contre, ça donne de la confiance, donc ça montre de la confiance vers GamesPlanet.com, en fait, qui a un peu misé sur moi, donc pour augmenter ses ventes, et en échange, m'offre des jeux qui permettent, encore une fois, d'augmenter à chaque fois les ventes qui sont réalisées chez eux. Donc bon, écoutez, moi j'ai des jeux qui permettent de vous amuser, je l'espère en tout cas. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Moi, je vous remercie tous de votre confiance. Ah putain. Non, on n'ira pas faire le convoi, pas tout de suite en tout cas. Itinéraire de convoi découvert, génial. On a pu voir la dernière fois qu'on n'avait pas le niveau du tout pour les convois. Hop les. Attends, ils vont venir jusque là? What? C'est quoi ces trucs là? Putain, mais on dirait des gamins. Eh ben non. Allez, viens, viens, j'ai envie de faire une super parade, viens. Aïe. Oh le pauvre. Boum. Crac. Et la gorge. Et la gorge. Bon bah c'est pas plus mal. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici à trouver? La ferraille. Ah, elle est là. C'est bon, on l'a faite. Maintenant, on va aller. Oh pauvre garçon, dis donc. Il a pris cher. Il y a de la bouffe, on va en prendre. On des bons asticots. Moi, je prends un petit goût de café. Parfait. Des cartouches. Ça, c'est cool. Un sur un. Bon, toujours ça de prix. Où est le poste? D'accord. Allons-y. Bon, apparemment, on aura tout, hein. Ça descend, c'est parfait, c'est cool. Alors, salut l'ami. Tu aimes ça manger des patates? Montons dans le ballon. Et un petit coup. Tchou-tchou. Et ça s'ouvre, comme dirait notre cher Claptrap. Oh, c'est tout jaune ici. C'est normal ou c'est pas normal? C'est bizarre. Avant tout, c'est bizarre. Alors, les buts fétides. Ah bah, ça doit être fétide, alors. C'est normal, alors. Pourquoi pas. De loin, le bateau a l'air tranquille, mais pas en état de naviguer. Le bateau. Oula. Oulala, y aurait pas un genre un camp par là, ou un truc comme ça? Là, c'est Pétroville. Le bateau. Ah oui. Ah oui, oui, c'est sûr qu'il a l'air tranquille, mais pas vraiment en train de naviguer. Oui, effectivement, il manque un truc là, je crois. Bon, maintenant on sort. Alors, qu'est-ce que tu m'as trouvé? Ok.
Ok, donc il nous reste 2 là, 3, 4, 5. 5 points. Oh! Ah oui, non, c'est le point bleu, ça. 2, 3, 4, 5. Ok, c'est parfait. C'est marrant, on n'a rien du tout au sud. Enfin, à l'est, du coup. Par là. Ouais, c'est vraiment drôle. Ah, s'il y a quelque chose là. Camp de transfert. Marrant, ça. Il est 4 étoiles, il est dur celui-là. C'est cool. Allez, on descend. L'épouvantail renforcé. Renforcé. Difficulté 4. Ah oui, on n'est pas du tout dans la bonne zone, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, on va chercher le salpêtre et puis on va rentrer. Hop, allez, quitte. Crac, c'est parfait. Tic-tac, tu craques. Ah, blah, mes jambes. Non, c'est bon. Ok. Ah, bah, il y a plein de voitures du coup. Et il y a une convention? Convention automobile? Comment je vais sortir la mienne? En bourrant. Cette vision de marche arrière, tellement cool. On voit sous le pad une limite de. De Chum Bucket. C'est dangerous. C'est dégueulasse, chers amis. Alors. Forcément. Regardez sur qui on tombe. Mais non, on ne s'arrêtera pas pour eux. Et tu le prends ou pas? Alors apparemment les renforcés je ne peux pas y aller voir. Voilà, bah ils sont durs à casser ceux-là. Alors, allons-y. Alors apparemment les renforcés, je n'ai pas accès du tout à leur enfin je n'ai pas accès à leur fondation entre guillemets avec le grappin. C'est assez catastrophique, je dois l'admettre. Alors avant d'aller là, on a pu voir ici il y a quelque chose. Viens par là toi. Vous avez vu le piège? Wouhou, il y en a un là aussi. Non, viens par là toi. Blam, ah merde. Bon apparemment il n'y en a plus. Je pense pas que ce soit top d'aller là-dedans, mais enfin bon. Marquez le site. Alors, bam, ça c'est fait. Et maintenant? Ah, voilà. Dispose de retour pour avoir plus de poudre et commercer avec Gutgash. Et en bonus, ce projet me profite pleinement également. Projet armurerie. Ah! Armurerie disponible? Merde, alors je sais pas qui, chez qui par contre. Chez Gutga, j'imagine. Ouais, d'accord. Ok, ça aide tout le monde en fait. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? Enfin, plutôt par là-bas en fait, je dirais. On a ça là. On va aller le faire. C'est de la quête secondaire, mais. Sait-on jamais, ça pourrait être utile. En plus, il y a un sniper sur la route. Si je pouvais littéralement lui tomber dessus, ça serait cool. Ah, un instant, chers amis. Re, chers amis. Donc, alors. Voilà, bah c'était pile là où je voulais aller, ça tombe bien. Là, non, j'ai touché la voiture. Youhou! Alors, ça c'est fait. On a autre chose à faire sur la route, on les fera, hein, c'est pas grave. Le but c'est de s'amuser, chers amis. Ah, je pensais qu'elle était pas détruite encore. Ça c'est con. Ça c'est impossible ça. Sauf si Chum il est sorti pour la relever. Je suis pas tout à fait sûr. Je vois un sniper dans la zone là, on va aller le voir. Hop,
Et je vois un épouvantail, donc c'est cool. Ok. T'inquiète pas, je viens te chercher. J'arrive. Youhou. Heureusement que la physique est censée être plus réaliste. Par contre, on voit qu'on a un spot ici de justement des trucs à exploser. Du coup, je pense qu'on va aller le faire. Ce qui m'ennuie un peu plus, c'est qu'il y a 3 bagnoles ici. Alors, allons là. Ok. Youhou. C'est tout noir par là. Salut les mecs. Et non. Dommage. Punition au surin. Boum. Et non. Punition au surin. Eh bien l'ami. Non. Boum. Bon, ça c'est fait. Le pas salsifie. Alors, je vois un truc à péter par là. Wouhou! Allons-y! Chum, ta voix résonne dans ma tête ou dans la grotte, ça dépend. Boum! Oh non, dodge. Ça fait pas mine quand ça pète, hein, quand même, hein. Reconnaissons-le. Avant d'aller voir ce truc là, j'ai comme l'impression que c'est un event bizarre à mon avis, donc je vais pas le faire tout de suite. Allez, pousse! Pousse Gertrude, pousse! C'est bon. Alors. Continuons sur notre lancée. Ok, donc il m'a repéré. Il m'aurait tiré dessus que j'aurais pas apprécié. Je crois que le camp est en alerte. Je suis pas tout à fait sûr encore. On est pas assez loin là. Ah non, défense en mode guerre. Carrément. Rien à péter. Ok. Champ de mine, non? Non, 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 pas assez de voitures. Juste contact, il y a dû y avoir du contact, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans, aller chercher? Rien, que de la ferraille. Ouh, ça me tâte, mais non. Au passage, il n'y a pas une ferraille qui nous apporte genre une... Une carcasse de bagnole ou un truc comme ça. Je dis ça, hein. Comme si je disais rien. Pièce ferrailleur. Palette de ferraille, tombe bien. Réserve d'eau. Ferraille, ferraille, ferraille. Non, apparemment j'ai encore trop rien. Alors, on y est presque. C'est sympa comme endroit. C'est même vraiment très joli. Hein. Est-ce que c'est ça le fameux Big Nothing? Putain, c'est ça le fameux Big Nothing! Et ça, c'est dans le truc? Oh putain. Ça, c'est con pour la voiture quand même. Hein. Ah bah non, zéro dégâts. J'ai rien senti, les mecs! Alors, on va aller rouler dans le Big Nothing pour partir, pour finir l'épisode. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Le Big Nothing, en fait, c'est ce que nous ont promis les développeurs du jeu pour dire que ce sera une map infinie. Voilà. Non! Et non! Bam! Et non! Et non! Bam! Flic!
Wouhou! Je crois qu'il avait bien. Il s'est pris un coup de couteau dans le dos, le pauvre. Trahison, disgrâce. L'esprit du mal est marqué dans sa nuque! Nomade béni. Ouh! Je suis béni! Béni, oui, oui! Et boum! Alors, juste si je suis nomade béni, Max, il doit avoir des trucs sympas. Ouais. Allez, je les prends. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Ah, il a une nouvelle tête. Max, avec cheveux mi-longs et bandettes. Ah, c'est le même avec les cheveux plus longs, quoi. Bah tiens, on va le prendre comme ça, il est beau. Il est beau, le Max. Par contre, on n'a pas beaucoup de... de ferraille, hein. Alors, vraiment pas beaucoup. Bon, roulons dans le Big Nothing, chers amis. Oh la vache! Alors, nous sommes où dans la map? Nous sommes ici. On va rouler à peu près jusque là. Apparemment, on n'a pas le droit d'y rentrer encore. Bon, bah tant pis, hein. Bah écoutez, on va se téléporter jusqu'à la maison. On va choisir cette maison à l'extrait pour pouvoir profiter de la ferraille, donc... hop. Ah, apparemment, j'ai pas le droit de m'y téléporter, c'est marrant, ça. Déplacement rapide interdit. Vous entrez, c'est parce que je rentre dedans, en fait. Voilà, et là, est-ce qu'il est possible? Non, toujours pas. Toujours pas. Alors ça, c'est intéressant. Comme si, peut-être parce que je ne suis pas sur la route, justement. Chum, conduis-nous maintenant. Ah non, toujours pas. Alors ça, c'est intriguant. Pourquoi, à l'heure actuelle, je n'ai pas le droit d'aller jusque là-bas? Via le... Ah, puis j'en ai toujours pas le droit. C'est vraiment marrant. C'est comme si j'étais en combat, en fait. Ah, peut-être à cause d'eux. Regarde ça! Dis au revoir à ta caisse! Peut-être parce que le convoi n'est pas facile, si, le convoi est fait dans cette zone. C'est marrant ça. Je n'ai pas le droit à un déplacement rapide. Alors si quelqu'un sait dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je serais ravi de comprendre pourquoi. Ce qui me permettrait de mieux me préparer aux prochaines fois. Ah non, puis vraiment pas. Hein. Peut-être parce que je n'ai pas le niveau requis encore dans ces zones. Peut-être avoir le rang 2 ou le rang 3. C'est vraiment très intéressant. Toujours pas. Est-ce qu'on va tomber nez à nez avec eux? Je serais curieux de savoir. Apparemment non. Nut nut. Parce que je peux pas, j'ai pas de klaxon moi. Ou vous pouvez toujours faire demi-tour et tenter de me rattraper, mais si vous me rattrapez, c'est vous êtes vraiment balèze. Mettons un petit coup de boost. Voilà. Est-ce que j'ai toujours pas accès? Non, j'ai toujours pas accès au déplacement rapide, c'est vraiment drôle. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, un petit peu de ferraille. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Dans le prochain épisode, on va absolument faire de la quête principale, chers amis. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de temporiser avec tous les trucs que je débloque actuellement. Ça me permet de temporiser, pourquoi? Vis-à-vis en fait de la ferraille qu'il me manque. En fait, faire de la quête principale me permettra en fait de prendre du temps pour que les autres camps m'alimentent. Ce qui m'évitera à aller farmer les tempêtes par exemple. Et toujours pas de déplacement rapide, incompréhensible. Alors, on va voir quand je vais passer la zone. Mais non, parce que je me suis déjà téléporté de l'autre zone. Ah, c'est drôle ça. Ah non, j'ai vraiment... Ah non, j'ai pas accès au déplacement rapide. Incompréhensible. Ah, c'est marrant ça. Ça m'intrigue, je vais être tout à fait franc, ça m'intrigue. Je ne comprends pas.
Alors. Bah écoutez, chers amis. Oula, on a les grosses baisses de framerate. Incompréhensible. Peut-être chargement de la. De la map, toujours. On a eu un figé. Enfin, le jeu qui a figé, plus 40 FPS. Bizarre. Oula, mais c'est que je suis suivi. Ah oui. T'as pas autre chose à foutre, toi? Boum! Bah alors l'ami? Oula, t'es pas parti dans la bonne direction. Et genre pas du tout. Boum! Juste pour ça, je m'en fous, mais je l'ai fait. Un petit peu d'action, chers amis. Youp! Ah! Je crois que je suis tombé. Tout le monde parle de moi, c'est cool. Ah, t'as encore du taf pour moi? Ah, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est la dernière fois que je suis allé le voir, il s'est un peu foutu de ma gueule. Non. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver dans le descriptif de l'épisode un lien vers mon partenaire gamesplanet.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous redis merci pour ça d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et quand est-ce que je vais arriver à faire une outro potable? Ah.